Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart, toujours évidemment en exclusivité sur PlayStation 5. Comme d'habitude, prévoyez un petit truc à boire et à manger, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble et bienvenue pour cet épisode 12. On n'oublie pas le petit j'aime et le petit commentaire, vous savez que ça fait extrêmement plaisir et on est sur une sorte de plateforme pétrolière du futur, tu t'en doutes. Donc, c'est Tipar. J'ai des armes overchargées et améliorées. Donc, ça devrait le faire sans trop de soucis. Allez, on y va. On retrouve notre petite beauté de Ratchet & Clank parce que franchement, le jeu incroyablement bien fait. C'est pour l'instant le premier vrai jeu entièrement next-gen, me semble-t-il. Ah non, il y a Returnal, mais j'en ai pas fait de vidéo. Mais c'est vrai que c'est le premier jeu réellement entièrement next-gen et conçu uniquement pour la next-gen. Et ça, ça fait grand plaisir en vrai, hein. Ça fait grand plaisir. Lui, on va les profiter encore un petit peu. Voilà, let's go. On va essayer d'améliorer l'éclair et puis là, on va passer sur les ricochets. Alors, ricochets, ça serait... C'est pas facile à améliorer le ricochet aussi. Pourquoi? Parce que bah finalement, pendant... Parce que là, c'est moi qui fais... Regardez, vous allez voir. Vous voyez tous les ricochets que ça fait là? Bah c'est moi qui appuie sur la touche R2. Ça fait que quand je bombarde R2, je ne peux rien faire d'autre à part des ricochets supplémentaires. Donc je peux me focus que sur un ennemi à la fois. Et ça, c'est relativement terrible. Allez, regardez. Hop. Trop stylé les ricochets par contre. Vraiment, ça de la gueule. Mais là, vous voyez, c'est déjà pas très ouf parce qu'en fait, ça one-shot pas, donc c'est pas... Y a mieux, on va dire. On va passer par l'entrée principale avec ce verrouillage. Explorons les environs. Il y a forcément une autre entrée. Eh ben, on va explorer ça, y a pas de souci, quoi. Oh merde, c'est gentil, ça. Allez, ça dégage, hein. Ça dégage, les adinés de la carte. Pardon, pardon, excusez-moi. Oui, ouais, bon, les gars, fallait qu'elle prenne un petit peu pour son grade, c'est normal. Ok, on va tout prendre ici. J'ai hâte que ça se débloque dans l'arène, là, le mode un peu moyen et difficile, là. Je pense qu'on va avoir des mini-jeux très sympas. Bougez pas, je tente un move. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste checker par ici. On sait jamais, voilà. Ah ouais, on peut être dans une autre dimension ici même. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça s'est cassé la gueule dans une autre dimension? Je suis très curieux de savoir. Putain, je peux plus aller au vaisseau aussi. Bah si, c'est une plateforme. Ok, bah y a rien d'autre. Y a rien d'autre, y a rien de fou ici. On peut y aller. Bref, j'espère. Vous savez quoi? En commentaire, je veux que vous me racontiez votre semaine. Voilà, tout simplement, racontez-moi votre semaine. Comment ça s'est passé? J'espère pour vous. Bien, ceux qui ont eu le bac, est-ce que vous l'avez eu? Si vous ne l'avez pas eu, c'est pas grave, c'est pas honteux. Hein. Vraiment, c'est rien, pas de panique, ça arrive à tout le monde d'échouer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, racontez-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Détente, c'est l'hiver ou c'est juste le glaciateur? Tirez avec sur vos ennemis pour les changer en gros blocs de glace inoffensifs. Regardez les glisser comme des imbéciles. En plus de subir davantage de dégâts, ils ont l'air ridicules. Il est peut-être temps pour nous d'acheter une nouvelle arme. Oh, le gant ravageur. Faites un petit coucou à vos nouveaux petits copains du gant ravageur. Petit mais méchant, affamé et tenace. Ils vous suivront où que vous alliez. Appuyez sur la gâchette de tir à moitié pour viser et appuyez à fond pour déployer votre adorable armée de petits monstres. Je suis limite plus emballé par le gant ravageur. Ça a l'air trop bien. Donc on va le prendre et on prend le glaciateur un petit peu plus tard. Donc comme je vous disais, l'échec, ça arrive évidemment. Personne n'est à l'abri. Donc n'ayez pas honte, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'espère même que vous l'avez eu du premier coup, hein, évidemment. Mais racontez-moi votre semaine, je serais très curieux de vous lire. Et ça m'occupe un petit peu. Allez! Un élément permettant de stocker de l'énergie. Mais pourquoi est-il aussi? Je le savais. Le blison a dû absorber l'excédent d'énergie libéré par le chaos dimensionnel. Nous avons basculé dans une autre dimension.
Une dimension abandonnée, à ce que je vois. Ok. D'accord, donc c'est des toboggans. Forcément, ça glisse. Très bien, très bien, très bien. Hop, ça s'est fait. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on peut aller là-dedans. Ok. Ok, ok, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, c'est un côté, forcément, tout le contraire de ce qu'on avait eu sur la planète précédente, où c'était de la lave. Là, c'est un blizzard. Donc, on est pas mal niveau décor. Oh. Tu sais, Ratchet, moi non plus, je n'ai jamais rencontré ma famille. Sauf si on compte l'empereur, bien sûr. Mais dans ce cas, je doute qu'on puisse faire pire. Ok, on va changer de tenue dès qu'on arrive en bas. Mais même si les Lombax sont la meilleure famille de l'univers, ce qui m'embête, c'est que je risque malgré tout de les décevoir. Toi ? Mais tu es un héros. C'est vrai que j'ai réussi à vaincre deux ou trois méchants, mais eux, ils ont inventé tellement de trucs incroyables. Tu te sous-estimes, Ratchet. Je sais pas, peut-être, mais j'ai une super vie dans ma dimension, Kit, et je voudrais surtout pas la perdre. Les voix sont vraiment stylées, hein. Toutes les exclusivités Sony arrivent à chaque fois à trouver des doubleurs incroyables. Si la station Kedaro existe dans cette dimension, ça veut dire qu'on trouvera aussi la forge à Rubion, non? C'est possible, mais tout est délabré ici. Elle ne fonctionnera peut-être pas. Mais si on trouvait un autre cristal de blison, on pourrait retourner dans l'autre dimension. Ok, allez, il est temps de changer potentiellement d'armure. Il y a des armures que je ne suis pas trop trop fan. Et dégâts sur les Goon for Less, réduit de 10%. D'accord. Ah, j'ai beaucoup plus d'armure que ça, non? Ah non, pas du tout. Ah non, c'est terrible. Oh, c'est pas mal ça, non? Ça fait un peu beau, vous en pensez quoi? Déguisement de robot, on l'a déjà. Ça, c'est ce qu'on s'était mis. Et si on fait changer la couleur? On a quoi de sympa, là? On va essayer ça. Dégâts des pirates réduits de 10%. Et ça, voilà, ça me paraît bien plus que pas mal. On va essayer cette petite tenue et on changera, parce que malheureusement j'ai que une seule tenue complète. Comme quoi c'est pas quand même dingue ce qu'on a fait jusqu'ici. Allez, on est parti. Ça, ok, il n'y a plus rien. Tout est à l'abandon. Ah, j'ai une petite j'ai une loupiote. Imaginez, non mais alors, imaginez 5 secondes, mais 5 putains de secondes, un survival horror uniquement fait pour la next-gen. Ça serait pas dingue en vrai? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien. Avec les effets de lumière et tout, ça serait juste fou, je trouve. Ça serait juste fou. C'est sûrement, s'ils annoncent un survival horror demain, pourquoi n'y a-t-il personne? C'est sûrement le jeu qui me hyperait le plus. Uniquement fait pour la next-gen. C'est vraiment le jeu qui me hyperait le plus, je pense. Avec du RTX à gogo, à foison, etc., etc. Allez, on est parti. Bah, il n'y a personne parce que c'est abandonné, tu l'as dit toi-même. Trouve la forge à Rubion. Selon toi, ils étudiaient des plantes ici? Ou alors, quelque chose a réussi à s'échapper de son bocal. Oh. Ah, ce ne serait pas une âme. Ok. Ça, c'est beau. C'est un boulon en or, évidemment. Let's go! Allez, le premier boulon en or de cette planète. Aucun souci, c'est fait. Voilà. Oh là là. Ah, ça détruit la porte carrément. Très stylé. Oh là là, imaginez un Star... Non, mais vraiment, là, parce que là, c'est le champ des possibles qui est imaginé. Mais dites-moi en commentaire quel jeu vous aimeriez adapter entièrement à la next-gen pour en prendre plein la gueule. Imaginez un Star Wars Jedi Fallen Order 2 de cette qualité-là. Imaginez 5 minutes. Incroyable, ça serait fou. Ça serait même phénoménal. Ok. Ok. C'est pas grave, ça. Non, on va s'en occuper très vite, ne t'inquiète pas. Ok, voilà, let's go, ricochet, niveau supérieur, ça, c'est fait. Je dirais,
Et ben, oh là là, mais ça régale! Allez, on peut déjà s'acheter la nouvelle arme, ça fait peut-être beaucoup d'armes d'un coup. Mais bon, ça devrait le faire, et le paratonnerre, bientôt au niveau max aussi, faut pas le négliger, faut pas le mettre de côté, quitte à aller jusqu'au niveau max, autant y aller jusqu'au bout. Très bien. En voilà d'autres. Un peu plus gros, hein. Disons plus gros même, si bien que ça. Ah! J'entends leurs estomacs gargouiller. Ok. Ok, let's go. Ça, on s'en occupe très rapidement. C'est rien, considérer que c'est du petit pipi de chat. Oh putain, mais c'est dégueulasse. C'est quoi cette matière gluante? Imagine, c'est des poubelles ou quoi, les gars? Se faire dévorer par ces choses gélatineuses. Je suis sûr qu'elle ne les aurait pas dévorées. Oh, c'est facile à dire. Quand on fait ta taille. Ok. Ça, on prend... C'est grand ici, dis donc. Allez, on continue. C'est grand, c'est grand. Oh. Ok, ok. Une petite pièce et demie. Pardon. Je me suis trompé de cible. C'est drôle, non? Est-ce qu'il va bien? Moi, c'est Ratchet. Oh, c'est merveilleux. Bonjour, Ratchet. Est-ce que tu me cherchais? Ce serait tellement super. Oh, je peux t'appeler Chet. Non. Et... Non. En fait, je cherche du blison. Oh, moi je sais où aller. Mais j'ai perdu mon bras d'accès dans toute cette eau. Il faudrait pomper, mais comment, Ratch? Comment? Calme-toi, je vais m'en occuper. Ok, il faut pomper. Eh ben, écoute, ça tombe bien, on m'appelle le pompeur fou. Ils ont sûrement placé les commandes de pompage en hauteur. Ok. Ravi de faire ta connaissance, Brico. Je te présente Kit. Bonjour. Salut, Kit. Et pourquoi est-ce que vous cherchez du blison? On essaie d'entrer dans une autre dimension pour utiliser la forge à Rubion. Oh, mais on en a une. Sauf qu'elle ne fonctionne plus depuis longtemps. Elle produisait des carrés vraiment marrants. Alors là... Là, je serais curieux de savoir comment... Comment on va là-haut, hein, vraiment, hein. Est-ce que vous avez une petite idée, les amis? Oh là là! Oh là là! C'est très vite gâché. Les commandes de pompage ne sont pas en bas. Malheureusement. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon! Très stylé, on a récupéré le Raritarium qui était au max. Là-haut, ça c'est fait. Allez, on va pomper. Ratata, tu m'as appelé mon ref. On est où là-haut? On va reprendre le paratonnerre. Je rappelle qu'il est encore une fois bientôt au max. What? Oh non, dites-moi pas qu'il y avait ça. Oh, des barres. Bon, en vrai, je vous le dis, on a réussi avec style. Donc, franchement, franchement, ça me va. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça ne sert à rien. Ça ne sert totalement à rien, mais bon, on a... Écoutez, on a essayé. Ce bras d'accès est une sorte de clé. Quoi? Il y a un ascenseur droit devant. Oh. On dira ces cristaux. Ils sont vraiment ravissants. C'est quoi, ça? C'est Volt, mon meilleur ami. Il essaie de me tuer parfois, mais il a un don pour écouter les gens. Il essaie de te tuer? Si vous devenez ami avec lui, vous pourrez peut-être l'appeler Bonvo, ou Voltounet, ou Volti, tiens. C'est super, ça. Ça claque, hein, comme surnom. Ok. Du Raritarium, bah vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va très vite foncer en bas, aller le chercher. Ah! Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'on serait pas un petit peu dans un David Guetta? Non, on peut peut-être aller là, regardez.
Oui, c'est pas un problème. Ok, cette pièce ne sert vraiment à rien. Et là... Ok... Ça sert vraiment à rien, là? Très bien. Bon, c'était une petite pièce sympa. Et ça fait un raritarium, je prends. Vous savez qu'on en a besoin pour améliorer les... Aïe, cocher le paratonnerre au max. Voilà l'ascenseur. Je vais me servir de ce bon vieux bras d'accès pour appuyer sur le bouton. Ah non, tu l'as plus. Non, mon bras d'accès. Il ne fonctionne plus. Ce n'est plus qu'un bras tout court. C'est sûr. Ah, mais non. C'est une panne de courant. Il faut juste qu'on rallume tout. Ok, on s'en charge, Nico. Ok, rétablir l'alimentation de l'ascenseur. Très très bien. Ça va nous ramener normalement à l'extérieur. J'avoue que si t'es claustrophobe, attention sur un raritarium. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Merci aux clients fidèles. Excentrique, mais oui, je pense. Il est un petit peu teubé, mais on peut lui faire confiance, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Ça va le faire. Les amis, vous vous recevez. Hop, ça c'est fait. Ah! Ok. Très bon. Allez, on est parti. Hop. Anéantissement. Oh, ça c'est tellement stylé. Ce laser, les gars, incroyable. Let's go. Allez, ça dégage. Pas le temps pour ces conneries. Anéantissement total de toute forme gluante de cette planète. Je commence à parler comme un robot. On a du ricochet. Très bon, ça. On repasse sur un collisionneur. Et on améliore tout. Ici, on fait les choses bien, je vous l'ai dit. Ratchet, la grosse. Ok, on a... Ah mais non, mais le pixeliseur peut monter, incroyable. On a les gants ravageurs, ben ouais. Tiens, régalez-moi ça. Voilà, allez, régalez-vous mon armée, régalez-vous. Oh là. Dévorez-moi ça. Eh, dégage toi. Tu laisses mes gants ravageurs faire le taf. Bien joué, les gars. Oh, j'ai quelques petits robots qui sont morts, malheureusement, dans cette guerre. Très, très bon, ça. Le gant ravageur, incroyable. Hein. Aucun regret. Hein. En plus, ils me suivent. Même s'ils vont sûrement mourir dans d'atroces souffrances dans pas longtemps. Voire disparaître. Ah bah là, ils peuvent pas me suivre, évidemment. Ça me paraît logique. Ok, ils sont tombés. Ils sont tombés. Qu'est-ce qu'on a d'autre à améliorer? Des petites bombes, un petit pixeliseur. On va améliorer le petit pixeliseur, ça peut être pas mal. J'ai plus de munitions, je commence à m'inquiéter. Ils ont réussi à me rejoindre ça. J'arrive, mon frérot. Ah, il y a des boulons qui tombent. Incroyable. On va les récupérer un petit peu partout. Hop, voilà. Comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Un boulon, c'est littéralement un boulon. Donc, hop, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Coucou mon frère, ça va ou quoi? On est parti, let's go. C'est la première fois que je vois Bolt faire le taca comme ça. Taca? T'es sûr? D'habitude, il se contente de se balader dans la station, tranquille. Mais là, il a vraiment l'air de te pourchasser. Je suis trop jaloux. Nous y voilà, mon blison préféré de toute la station. Oh, j'adore comme il se met à briller après 6 heures passées à la tirée. Je crois que le moment est venu de se dire au revoir. Merci du coup de main, Brico. Tout le plaisir a été pour moi. Ok, on va passer par ici. On tente des moves. Jusqu'ici, pas de problème. Ensuite, on va suivre le parcours. Il n'y a pas du petit raritarium. Moi, les gars, je suis impérativement, les gars, les filles et tout le monde, hein, finalement. Je suis impérativement à la recherche de raritarium. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Comment j'ai pu passer à côté de ça sans me rendre compte que c'était là? C'est totalement dingue. Je veux uniquement du raritarium. Je ne vis que pour ça dans ce jeu. Pour voir ce que font les armes une fois améliorées au max. Parce que c'est tellement kiffant d'améliorer ses armes maximum. Ok.
Très bien. Très bien. Et très bien. Et ben voilà. Allez, on va voir. On va retourner dans le présent. Enfin, en tout cas, dans notre dimension. Oh. Sortez-vous comme ça ? D'une autre dimension ? C'est ça. Très drôle. Dites à George Bott de surveiller ses arrières demain. La forge à Rubion se trouve droit devant. Oh, c'est très 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 intéressant tout ce qui se passe là, dites-moi. C'est très intéressant. Donc là, on est que dans la forge. On va rester dans la forge, en fait. Bah, la planète est bien plus grande que ce que je pensais, clairement. Alors, on a un nouveau robot. Bah oui, mais il va falloir apprendre à faire connaissance avec ce monsieur. Ce monsieur ou cette madame robot. Qu'est-ce que vous faites ici? Non. Alors, vous allez trouver ça drôle. Je ne te parle pas à toi. C'est à moi que vous parlez. Les accès sont verrouillés. Comment vous et votre monture êtes-vous entrés? Je suis venue inspecter cet endroit pour voir s'il est bien blanc et orange. Parce que je suis décoratrice d'intérieur de première classe. Et notre empereur voulait que je redécore tout pour vous faire une surprise à vous et à votre équipe. Mais voilà, vous avez tout gâché. Jamais je ne ferai une telle chose à l'empereur. Soyez les bienvenus. Je vais immédiatement effacer mes bandes de mémoire. Okay. Bien joué, quitte la décoratrice. Et maintenant, on fait quoi? Nous pourrions discuter avec les chercheurs pour ne pas éveiller les soupçons. Et nous diriger vers les commandes de la forge pour fabriquer le dimensionnateur. On dirait que les commandes de la forge sont sur cette plateforme. Là. Alors, on prend le raritarium, s'il vous plaît, on est là pour se régaler, non pour ici, non. Ils ont pas l'air très, très sympas dans la dimension dans laquelle nous nous trouvons à cause de l'empereur, parce que je rappelle que nous sommes dans une dimension où l'empereur a gagné. Ou en tout cas, l'empereur est empereur, tout simplement. Ok. Là, on n'a plus rien, donc direction la petite plateforme que vous voyez ici. Non mais... Qui prend des plateformes comme ça, mon ref? Tu peux mourir à tous les moments. Oh, ça on prend. Très bon, ça. Un robot espion trouvé. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée pour aller là-haut. Mais ça ne sert à rien d'aller là-haut, malheureusement. Ok, alors attendez. Attendez, parce que ce robot espion me semblait un petit peu trop facile à choper. Voilà, il fallait appuyer là. J'ai transféré les plans. Voyons un peu. Ah ah. Je vois. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr. Vous avez démarré la forge en mode auxiliaire? Le bouton de l'alimentation principale était juste là. Ah, c'est un test de résistance. Voyons ça. Oui, tout se détraque normalement. Ils sont le camp avant que... Ok, bah écoutez, on veut mon petit cul, hein, oui, je confirme. Donc ça, hop, c'est détruit, ça aussi. Pourquoi la forge n'a-t-elle pas fonctionné? Potentiellement quelque chose, mais l'autre bouton ne m'inspirait pas confiance. Je pensais que tu savais ce que tu faisais. Ah, j'y vais à l'instant. Il y a des gardes partout. Il faut qu'on file en vitesse. Ah non, on va pas filer, mon pote. Hein. Moi, mon pote, je veux de l'XP à foison. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit gant ravageur. Allez, ça fait plaisir. Allez, jetez-moi ça. Jetez-moi ça, régalez-vous. Aïe! C'est bon, ça?
C'est très bon, ça. Il n'y a rien dans cette salle. Allez, on continue. Attends. Il y a des choses. Encore une fois, il n'y a pas de petites économies. Il y a des choses et ça s'appelle des petits boulons, évidemment. Je reconnais, c'est des boulons de 12, ça. Un boulon de 12 mm. C'est un classique dans le domaine de tout ce qui est boulons. J'ai déjà plus de munitions et ça, c'est un classique aussi. Dans le domaine de tout ce qui est jeu en mode difficile. Ils ont même pas les diplômes requis. Trouvez-moi ce long bac. Gâchez la victoire. Je vous jette tous autant que vous êtes dans la forge pour me préparer une bonne soupe. La forge a été complètement en Alors, on va prendre les ricochets. On va prendre les ricochets. Voilà, on va prendre le paratonnerre. Excusez-moi du peu. Bon, le paratonnerre, il commence à devenir incroyable. Ok, bonsoir. Il faut qu'on fait ça pour plus vite. Si nous utilisions le blison. Bonne idée. Là, tout de suite, je préfère encore une dimension pleine de monstres. Une dimension pleine de monstres, tu crois, Ratchet? Tu crois vraiment? J'ai encore limite envie d'augmenter le niveau de difficulté. Vous me croyez ça, le chat? Mais après, j'avoue que je pense que ça risque d'être... Là, je ferai mon malin parce que ça risque d'être très chaud. Mais en vrai, à voir. Pourquoi pas le boss final en mode très difficile? Ah. Ok, c'est le moment de faire du lourd. Bien joué. Ils m'ont pré-shoté. Ça dégage. Let's go. Allez, regardez-moi tous ces petits boulons. On va libérer très rapidement. Voilà, ça c'est pour Bibi. J'hésite à monter le niveau de difficulté. Vous savez quoi, le chat? Je vais vous écouter. Voilà, à vous de décider si vous voulez qu'on augmente encore le niveau de difficulté et qu'on aille au niveau quasi max, me semble-t-il. C'est vous qui voyez, mais ils vont être tous très forts, faire beaucoup plus de dégâts. Mais vous êtes les boss et les chefs de ce let's play d'aventure exotique de l'été. À vous de me dire. Ok, on a mélangé les dimensions. Très bien. Allez, let's go. Paratonnerre de niveau 3. Je pense que vu l'état de certaines de nos armes, on peut se permettre d'augmenter encore un petit peu la difficulté. Voilà, ça dégage. Attends, prends un peu de cette connerie, moi. J'espère qu'on sera tranquille maintenant. Oh là 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 là, regardez-moi tous ces boulons qui régalent. Et ben voilà. Je pense que ça va partir en couille de l'autre côté, vous vous en doutez bien. Je vois que ça en solution, let's go. Ok. Qu'allons-nous faire? C'était la seule forge à Rubion en mesure de fabriquer le dimensionnateur. Il en reste une dans cette dimension. On réussira peut-être à la redémarrer. On va pouvoir faire ça. Et là, il y a des choses là-haut. Donc, vous savez quoi? On va aller récupérer la petite énigme là. On va récupérer la petite énigme derrière ces murs. Vous savez que c'est forcément un morceau d'armure. D'armure, oui. Voilà, un morceau d'armure. C'est très bizarre, mal. Mais... Cette sauvetage ne me rassure pas vraiment. Ah. Oh non. Ouais, mais c'est trop ça. C'est trop. Comment on va faire? Ok. Faut pas tous les activer donc. C'est dur. «
C'est dur, mais pas assez pour moi, s'il vous plaît, mais bien sûr. Ça, c'est fait, let's go. Une nouvelle armure récupérée. C'est pour qui? C'est pour Bibi. C'est pour Ratchet. Et Kit, évidemment. Oh, placement 1 sur 3. Si on peut dire que des ruptures de dimension sont cool, hein. Et ben voilà, allez. Ça, ça régale. Et nous, revoici en enfer. Bon, on va aller check vite fait là-haut et on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je ne cesse de m'excuser, hein, mais bon, ça reste un let's play d'été. C'est pour la détente, c'est pour le kiff, c'est pour en prendre plein les yeux, hein, cet été, et vous accompagner avec, si possible, un beau soleil. Malheureusement, on n'y est pas encore. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 13. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.